Aujourd'hui, dans l'hôtellerie, on imagine les espaces communs seulement, pas seulement ouverts aux clients de l'hôtel, mais ouverts aux clients de la ville, les clients des passages. C'est vrai qu'on imagine l'hôtel avec un mélange d'espaces et un mélange d'activités. On imagine des grosses open space avec des espaces coworking, par exemple. On imagine qu'un jeune start-upper il puisse venir dans notre hôtel, travailler avec son ordi, il puisse consommer dans notre hôtel. Et à la même temps, on imagine peut-être un grand-mère avec la poussette, avec son ce nouveau qu'il vient prendre un tea time, un after tea, dans notre hôtel. Donc on voit vraiment comme l'espace de l'hôtel, surtout les espaces design, des lobbies, des halls, il devient vraiment un espace qu'on aime appeler third place. Ce n'est pas la maison, ce n'est pas le boulot, mais c'est un espace dédié à notre client.